Bonjour Adrienne, bonjour madame. Ah bah super, on est accueilli par le concierge, bravo l'OM, ça commence bien. Non maman, excusez-la. Hein. Ah non, j'étais prévôt. Merci pour l'invitation, même si je vous avoue que je pense que ça va pas le faire. J'étais prévôt. Je vous préviens le portugais, hein, vous allez pas m'amadouer avec des petits fours et du champagne, hein, je serai intraitable. Ah aussi j'étais prévôt. Si vous voulez bien entrer, monsieur Benaché vous attend. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous pouvez vous asseoir. Alors bon déjà, avant de commencer, je préfère vous prévenir. Nous on discute pas avec les marchands de tapis, hein, on demande du respect. Alors toi déjà, la rombière, estime-toi heureuse que je t'ai pas mis à la cuisine pour faire briller l'argenterie et nettoyer les chiottes. Tu vas gentiment poser le morceau de barbac qui te sert de fessier et la fermer si t'as pas envie de voir ma main gauche manquer de respect à ta joue droite. Capiche? Mais c'est quoi ces manières? Maman, calme-toi. Hé la daronne, écoute ton rejeton, visiblement il a un éclair de lucidité. Bon, si on t'a fait venir, c'est parce que ton profil nous intéresse. Milleur et Layer? Non, le fait que t'aies mis une grosse carotte au PSG avant de partir de chez eux, ça va plaire à nous ultras, ça. Tu vas entrer dans le Hall of Fame avec Fiorès, Sana et Fred Dehu. Mon fils, il est polyvalent, hein. Dans une équipe, on a toujours besoin d'un polyvalent. Toi, la vie, si tu l'ouvres encore, c'est d'un polydent que t'auras besoin pour mettre ta nouvelle mâchoire en plastique. Merci pour la proposition, monsieur, mais je sais pas si en tant que parisien, je peux venir chez vous. Et t'inquiète, tout le monde a oublié, hein. Ça, personne se souvient de toi. Quand t'es arrivé, l'intendant, il m'a demandé pourquoi on invitait Paul de Saint-Cernin. Et puis, de toute façon, t'as pas de club. Tu vas pas rester à glander devant ta PS4 comme un abruti de Neymar ou devenir consultant sur RMC. Ouais, je suis cramé, mais pas à ce point. Bah, dans l'idée, ça pourrait être intéressant, mais j'ai dit que je gardais le même salaire. Pas de problème, t'auras le même salaire qu'à la Juve, je te l'avais dit. C'est vrai? Bien sûr, le même salaire, sauf que lui être mensuel, il sera annuel. Je comprends pas, là, je gagne moins? Non, ton salaire mensuel, exactement le même, mais il sera annuel, c'est tout. Je t'avais dit que t'aurais le même salaire, je t'ai pas dit dans la même période. Non mais c'est une blague! Ça va pas se passer comme ça, hein! J'étais prévôt. Elle a un problème, Cruella. J'exige que mon fils gagne la même chose qu'à la Juve! Plus une prime à la signature! Non mais tu rêves ou quoi, la Maminova? Tu m'as pris pour Nasser dans la bande à Fifi? C'est Elray Lifey. Ouais, si tu veux. Alors écoute-moi bien, voilà ce qu'on va faire. Tu vas gentiment signer le contrat que Pablito la Moustache t'a rédigé. Et t'as dit Daniel, elle va prendre sa valise en carton et retourner dans sa caravane si elle veut pas visiter les poissons du vieux port avec une paire de Nordica en fonte. Alors ça c'est. Maman, je pense que tu devrais y aller. J'y vais, mais je vous laisserai pas faire, hein! Oh, un SMS d'insulte. Oh, c'est Nasser de la bande à Fifi. J'étais prévôt.